brother's gonna work it out. The 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 brother's gonna work it out. On se calme, le petit loup. Et salut petit loup, on se retrouve à bord de la YZF R3 2019. Donc vous allez me dire, mais quel est le fuck? Eh ben voilà, il y a un peu plus d'un mois, j'ai passé mon permis en bonne et due forme. J'ai ventilé ça en un peu moins de 3 semaines. Le samedi, je commençais les cours de conduite. Une semaine après, le lundi, je passais le plateau et puis... Et puis un peu plus d'une semaine après encore, je passais la circu et au revoir messieurs dames, permis en poche, basta. Et alors ça, hop, à la concession. Qu'est-ce qui se passe? Derrière ça, hop, j'étais à la concession pour commander la petite R3 sans concession. Et elle a mis un peu de temps à arriver celle-là, hein. Elle s'est faite attendre, et puis voilà. Donc, étant donné que c'est la machine de 2019, je suis bon pour me payer un petit rodage. Un petit rodage des familles. Oh, bah les gens sont gentils aujourd'hui. Merci. Merci. Donc 1000 bornes de rodage à faire. Merci. Alors du coup, vu que j'ai quelques machines, ce qui va se passer, c'est que là je vends la CBR qui est normalement vendue. J'attends le versement, mais normalement dimanche la CBR change de propriétaire pour remplacer du coup en remplacement avec la R3. La TDR elle me sert à grimper aux arbres, donc je la garde, vu qu'étant donné que le plan de base c'est d'avoir une Africa Twin, mais l'Africa Twin ancienne génération, comme la nouvelle d'ailleurs, n'existe pas en A2. Donc si pas de twin, on craque pour la R3, ce qui n'a aucun sens. Je suis d'accord. Mais du coup, je garde la TDR les deux ans pour la R3, et dans 2 ans, une Africa Twin. Hein. Donc je pense qu'à ce moment-là, je verrai peut-être à me séparer de la TDR. Qu'est-ce que tu fais, Monique? Ok, du coup, tu tapes les trottoirs. D'accord. Ah, non, c'est un style. C'est... ouais, dans l'impasse aux riverains. Ok. Ah non! Le rouge, plaît-il? Non, j'ai pas vu, je suis daltonien. Hop. Bon, faut encore que je m'habitue au poids de cette moto, hein. C'est pas encore ça. Alors, point de vue confort, faut reconnaître qu'on est bien sur une sportive, parce que c'est ferme, hein. C'est très très ferme. Genre les routes comme ça, ça joue au tape-cul. Hein. La selle est pas... elle est pas inconfortable. Elle est ferme, mais elle est pas inconfortable. J'ai pas mal au cul avec plusieurs sortes de balades. J'ai pas eu mal au cul. Bon bah sauf sur les routes tape-cul quoi, où là tu te fais un petit peu gentiment tapoter les fesses. Mais sinon, franchement, ça va. Il y a juste c'est un peu ferme quoi. Mais c'est plutôt confortable. On est plutôt bien.
faut reconnaître que quand je l'ai récupéré à la concession, j'étais un petit peu terrifié, quoi. En mode, je monte dans la gamme, ça va être lourd, comment ça va se passer? Et finalement, eh ben, j'étais à la maison, quoi. Hein. C'est vraiment... moi, je suis bien là-dessus. Hein. Alors, une maison un peu plus grande que la CBR. Je suis un peu perdu sur ma selle. Il y a beaucoup de place. Voilà. Quatrième. Il y a vraiment beaucoup de place sur la selle hein, par rapport à ce que j'avais auparavant. Bah, elle est plus large à l'arrière. Ce qui est bien à l'avant, elle est fine. Donc quand il s'agit de se mettre sur le réservoir pour être manœuvrable, c'est plutôt cool. Faut reconnaître. C'est plutôt pas mal. Et à l'arrière, ouais, c'est large pour déhancher, quoi. J'ai commencé un petit peu à voir à être mobile dessus, mais bon, c'est pas non plus la folie, hein. J'avais pneus en rodage, je suis en train de me roder avec la moto. C'est pas question d'aller poser du slider de suite, hein. Mais elle est plutôt bien. La position est bien. Cours, petite huppe. Alors certains me diront, mais Fafan, pourquoi avoir pris une 300? Tu vas te faire chier au bout de 2 ans, hein. Alors ça, bon, bah en général, c'est les mecs qui pensent que le plaisir ne vient qu'avec la puissance, quoi. C'est comme les bites, les mecs, hein, c'est pas une bite plus grosse qui procure plus de plaisir. Hein. Ça n'a aucun rapport, c'est plutôt l'utilisation, comme la bite. Et mal utilisé, on peut aller à l'accident, comme la bite. Sur cette belle analogie de la bite... qu'est-ce que je racontais comme connerie, moi? Ouais, je disais donc, pourquoi une 300? Déjà parce que, hein, je t'emmerde. Non, sérieusement, tu pourrais me dire, oui, pour le même prix, tu pouvais avoir une MT par exemple. Bon, là j'ai un peu envie de vomir, ok, d'accord. Bon, alors j'aime pas les roasters, donc déjà on élimine tout ce qui est les roasters, R2. Bon, par exemple, j'aimerais bien avoir un phaser, et en plus, il est bridable, celui que je veux, à carbu. Mais le truc, c'est que j'ai déjà eu l'occasion de voir ce que ça donnait, typiquement bah, le phaser, qui fait combien, 95 bourrins, je crois, et qui se bride en 37, et oh mon dieu, d'un coup, en fait, t'as plus que 4 vitesses utilisables, et utilisables encore, c'est un bien grand mot. Genre, le bridage, c'est l'enfer. Je veux dire, c'est la frustration totale. Alors, du coup, faut pas que tu prennes une machine neuve et une machine qui a été utilisée en première main hors bridage, du coup, pour qu'elle ait eu un rodage convenable. Hein. Sinon, enfin, je veux dire, c'est juste. Il n'y a pas beaucoup de pour. Au-delà du fait de. Oui, bah, du coup. Alors, tu peux avoir une machine qui a plus de couple et au bout de 2 ans, bah, tu la débrides et puis voilà. Bah déjà ça veut dire que je veux dire non parce que dans 2 ans, au bout de 2 ans t'as envie de changer de machine. Faut être réaliste, hein. Du coup la 300, voilà, j'ai 42 chevaux. Ça me poursuit ce chiffre. Ce qui est largement suffisant pour s'amuser. Du coup j'ai pris une moto qui a une très bonne partie cycle. Ça a fort côté. Faut reconnaître, du coup, il va y avoir moyen de s'amuser sur piste ou pas. Et ce qui va m'intéresser pendant ces 2 années où je vais être avec ce petit engin, si je finis pas contre une voiture, du coup, pendant 2 ans, je vais pouvoir masterer mes skills, comme qui dirait. Ah, mais en gros, j'ai 2 ans avec une moto où là, toute la plage de puissance est exploitable, 42 choses tout à fait convenables. Et où j'ai une bonne partie cycle à apprivoiser et à perfectionner.
Et du coup, là où je vais trouver du plaisir, c'est pas ouvrir en grand sur des lignes droites pour finir à des vitesses interdites et voilà, j'ai pris des jets, mais plutôt aller m'amuser là où il y a du virage qu'on peut taquiner bien méchamment et se mettre des jets dans la gueule à base de courbes et non pas d'accélération quoi. Genre être un pilote de courbe, tu vois, pas un pilote de ligne droite comme on en croise beaucoup. Moi à la base je voulais juste aller faire de l'essence. Hein. Il y a beaucoup de monde là. C'est le jeu de la vie. Tu passes, je passe, tu passes, je passe pas. Ah. Et ça saute, saute, saute. Ce chemin qui me chante. Ah putain. Genre là-bas. Ouh, le beluga. C'est le beluga. C'est le beluga. C'est le beluga. Et voilà, dès que je suis debout, hop, j'ai deux barres. Ouais, non, attends, bah, je fais du 3 litres et quelques en moyenne. J'ai un réservoir à 12 litres. 12? 14? Je sais plus. En gros, je devrais être en mesure de faire, je sais rien. Je raconte ça, mais qu'est-ce que j'en sais, putain. Ah bah oui. Le virage du Beluga. Le virage du Beluga. Donc je disais, ouais, je disais. Alors avec cet engin, je fais à peu près du 3 litres au 100. Il me semble que j'ai au moins 10 litres. Donc, bon, on va considérer que c'est une moyenne, donc on va dire 4 litres au 100, voilà. Je dois avoir, ouais, je sais pas, 12, 12 ou 14 litres. Disons 12 litres. Normalement, ça me fait 300 bornes. Ce qui veut dire que normalement, je fais 300 bornes avant d'arriver en réserve. Et là, en réserve, j'arrive à 2 litres. Et donc, si je fais du 4 litres au 100, bah, il me reste environ 50 bornes avant de devoir pousser comme un con. Ça me paraît vachement plausible. Ouais, ça me paraît tout à fait plausible en fait. Oh putain, il y a des pollens là.